Le roi ordonne l'inclusion du prochain régiment de conscrits dans le service militaire. Selon un communiqué du ministre de l'Intérieur, conformément aux instructions du roi Mohamed VI, commandant suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, concernant la prise des mesures nécessaires pour intégrer le prochain régiment de conscrits au service militaire, la Commission centrale des statistiques du dit service, présidée par le président de la Chambre de la Cour de cassation, a tenu sa réunion lundi 28 février, a été consacrée à la fixation des critères qui seront retenus pour extraire les noms des jeunes, hommes et femmes, qui sont appelés à effectuer le service militaire dans le dessein du prochain régiment, à partir de la base de données des statistiques liées au service militaire. À la lumière des critères fixés par le comité central susmentionné, des listes seront extraites contenant les noms du nombre requis de conscrits pour former le prochain régiment, en tenant compte de la classification et des grades nécessaires à sa formation tels que déterminés par les autorités militaires compétentes, et les référer aux autorités susmentionnées, afin d'engager les procédures relatives à la convocation des conscrits et à leur intégration au service militaire à la date prévue. Il convient de noter que le nombre total de jeunes, hommes et femmes, qui ont rempli les procédures de recensement pour effectuer le service militaire lors du dernier processus de recensement, qui s'est terminé le 10 février, a atteint un total de 178 166 personnes, dont 29 013 de la composante féminine, soit plus de 16% du nombre total de personnes ayant accompli leur service militaire. Elles ont été comptées.